Et on rentre dans le vif du sujet. La frappe, bien repoussée par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ok, Medel remonte le ballon. Pas de hors-jeu, il y va. C'est intercepté, Nouri Saïd. Ah, c'est dommage, la construction est bonne, mais c'est le dernier geste qui pêche. Higuaín la frappe. Mais pourtant, c'était un caviar au départ. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Ils ont vraiment pris ce match par le bambou en enchaînant des attaques sur le but adverse. Ça ne m'étonnerait pas qu'il marque dans les minutes qui viennent. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Arbeloa, oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Medel maintenant. Et ce ballon, il va remonter très vite. Xabi Alonso maintenant pour trouver la faille dans la défense. Oh, la mauvaise passe, ballon perdu. Oui, il faut toujours jouer le ballon, coup franc. Très bien exécuté. Il a touché son adversaire et pas le ballon. Centre. Le ballon a franchi la ligne. Pepe maintenant. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception. Attention, la défense, il faut revenir maintenant. Frappe. Frappe de Negredo. Oh, ça part à droite. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Sergio Ramos, Marcelo, Benzema, Higuaín. Le ballon en touche, mais ça peut être dangereux pour la défense. Le ballon qui vole jusqu'au second poteau. C'est dégagé, loin devant. Et toujours ce score de parité à 5 minutes de la pause. Nouri Saïd. Du bout du monde. Une frappe à quelques millimètres. Il les a peut-être pris par surprise, mais il aurait fallu une frappe monumentale pour marquer de là. Il peut conclure. Negredo, il prend sa chance. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Ça, c'est de la détermination. Et là... Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Et après cette première mi-temps très poussive, je suis persuadé que les entraîneurs vont demander aux attaquants de se projeter plus rapidement vers l'avant. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Le Real Madrid contre le FC Séville. Jesús Navas. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Il glisse le ballon en profondeur. Sa passe manque juste un petit peu de finesse. La défense va pouvoir respirer. Un bon centre. La tête. Quel bon timing sur cette interception. Jesús Navas, oh, la frappe. Et l'arrêt, magnifique. Oh, qu'il est important cet arrêt.
Marcelo. Dans le dos de la défense. Cristiano Ronaldo. C'était presque au fond. Bon allez, au moins il a tenté quelque chose, mais je suis pas sûr que ses coéquipiers soient ravis de son choix. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Maduro. Jesús Navas. Il doit jouer vers l'avant. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Jesús Navas. Il a frappé. Il tente sa chance. Oh, l'occasion en or. Il aurait dû ouvrir le score là-dessus. Mais ça reste un match très tendu. Voilà, ça y est, les 15 dernières minutes de la rencontre, on y est. Et maintenant Maduro. Il cherche des solutions. Il espérait autre chose, à mon avis. Oh là là, qu'est-ce que c'est statique tout ça. Il n'y a pas de mouvement, pas de solution. Ça va devenir ennuyeux. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est le défenseur qui s'impose. Et maintenant Cristiano Ronaldo. Oh, le voilà qui accélère encore. Encore une touche. Il y va, il y va. Il est seul, il peut frapper. Il peut tirer. Cristiano Ronaldo. Oh, le but. Voilà, c'est fait, ils sont devant. Ah, il est beau ce but. Surtout, il fait très plaisir parce qu'il arrive dans un moment très critique dans ce match. C'est incroyable qu'il ait trouvé ce trou de souris. Et le gardien est un peu masqué par ses défenseurs. Pas de chance. Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là? Alors ça, c'est un but très important. Ils vont maintenant défendre le avance à tout prix. C'est fini. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est fini dans cette rencontre. La victoire dans les derniers instants, les dernières secondes de cette rencontre. Quel suspense !